Bon vendredi à vous tous les amis, comment allez-vous? En tout cas j'espère que tout le monde va bien. Bon début de week-end à vous tous. Bon, le réveil a été compliqué évidemment pour celui qui supporte la nationale et après la triste, très très triste prestation délivrée hier face à l'Espagne, on l'a analysé ici sur ce canal et je pense que aux yeux du monde nous avons bel et bien été ridicules en espérant évidemment une réaction au plus vite lundi 20-21h face à la Croatie. De toute façon il n'y a pas grand chose à faire. Terminer deuxième, dans tous les cas, parce que certes la troisième place peut nous qualifier, mais terminer deuxième est une obligation pour une nationale et qui dans tous les cas ne pourra pas terminer première. Dans cette vidéo, les amis, faisons un point sur plein de petits thèmes importants et intéressants à analyser, dont deux qu'on n'a toujours pas analysés lors des dernières 48 heures, alors que ce sont deux déclarations importantes, à commencer par celle de Danilo qui s'est exprimé lors du fameux litige avec le Brésil. Il s'est exprimé sur son futur in casa Juve, et d'ailleurs je m'excuse pour la location, vous l'aurez compris. Il s'est exprimé donc sur son futur avec la Juve. Il a dit il n'y a aucune possibilité afin que je quitte la Juve, je suis pleinement concentré sur le projet. Il y a l'arrivée de Thiago Motta, un coach moderne. Il faut savoir que Danilo, les amis, a reçu quelques propositions intéressantes dans le passé lorsqu'il était joueur de la Juve, notamment une du Bayern Munich, mais aussi des intérêts de clubs saoudiens. Il a toujours voulu rester à Turin et difficilement, j'imagine difficilement, à Danilo partir cet été, lui qui a prolongé. Dans tous les cas, dans le système de Thiago Motta, très certainement que Danilo est conscient qu'il y aura un changement pour lui. Au-delà de tout ça, un changement tactique, puisqu'il ne devrait pas figurer dans cette position de défenseur central. Pourquoi je dis devrait? Parce qu'après, ensuite, il y a les évaluations qui se font lors des étés. Vous savez, je ne suis pas un grand fan des prédictions de formation, etc. Aussi parce que généralement, 95%, elles changent constamment. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que Danilo, dans le système de Thiago Motta, on l'imagine très certainement plus comme un latéral droit plutôt qu'un défenseur central. Et c'est vrai que ça serait une petite nouveauté quand on connaît la situation tactique de Danilo lors des dernières saisons. Défense à 3 sous Pirlo et défense à 3 aussi sous Max Allegri. Ça semble connaître justement l'adaptation tactique de Danilo. Est-ce qu'il sera au niveau dans cette position-là? Là où aujourd'hui le foot demande de plus en plus des latéraux offensifs qui généralement sont meilleurs offensivement que défensivement, même si voilà, le point le plus important, c'est d'être complet sur ce poste-là. Donc voilà, plutôt assez intrigué, les amis, de ce point de vue-là, même si aujourd'hui, je pense que la Juve peut passer au-dessus de Danilo. Je veux dire, c'est pas un joueur indispensable, c'est pas un joueur invendable. Mais au-delà de tout ça, les amis, on parle quand même du capitaine de la Juve. Et oui, on parle du capitaine de la Juve et qui très certainement confirmera le brassard la saison prochaine. Autre discours important, celui d'Adrien Rabiot. Alors, spoil, qui n'en est pas un, la Juve attend toujours la réponse du Français, dont avec Cassignol a fait cette fameuse proposition de contrat. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à me le demander. Oui, Adrien Rabiot bénéficierait du décreto Crescita, donc il y aurait même un certain avantage pour la Juve de continuer avec Adrien Rabiot, raison pour laquelle très certainement la Juve a aussi décidé de tenter de continuer l'aventure avec lui, parce que voilà, il y a cette volonté de prolonger le contrat, parce que quand vous faites une proposition, c'est que les idées sont plutôt claires. Maintenant, Adrien Rabiot, les amis, s'est exprimé lors de la conférence de presse en Allemagne directement avec l'équipe de France. J'ai pu regarder cette conférence de presse et il faut dire que les propos d'Adrien Rabiot m'ont semblé extrêmement flous. C'est-à-dire, alors flou dans le sens où Adrien Rabiot, évidemment, qu'il a déjà pris sa décision. Quand je dis que la décision n'est pas arrivée, c'est qu'il ne l'a pas communiqué. Mais lui-même a pris sa décision et lui-même l'a confirmé. Mais lorsqu'il dit, voilà, on avait planifié avec le club une rencontre après la fin du championnat, cette rencontre n'a pas eu lieu, désormais je suis focus sur l'euro. Voilà, c'est des propos que, quelque part, j'interprète pas d'une bonne façon, parce qu'Adrien Rabiot, quelque part, l'a fait tourner la Juve. Quand tu as l'envie de continuer, tu communiques au plus vite au club, sachant que très vite, tu as une proposition de contrat. Rabiot sait très bien qu'il a cette proposition de contrat. Et d'ailleurs, cette proposition de contrat, les amis, est arrivée avant le début de l'Euro. Donc, ce petit jeu-là de tourner en rond, honnêtement, les amis, c'est pas quelque chose qui me plaît énormément. Voilà, la Juve peut passer au-dessus de tout ça. Elle a décidé de continuer l'aventure avec Rabiot. Du moins, elle le veut, demande de Thiago Motta. Mais là aussi, vous êtes nombreux à me demander une deadline. Je ne pense pas que la Juve ait une deadline, parce que dans tous les cas, le décreto Crescita en bénéficiera. Même si l'aventure
se prolonge, même si la réponse dure et qu'elle ne l'a pas là dans ces jours-ci. Mais au bout d'un moment, il est clair que ça peut être une situation qui irrite le club. Dire moi, je suis chef d'entreprise et que j'attends une réponse d'un de mes salariés et que ce salarié me la donne pas, au bout d'un moment, les amis, courir après cette personne me semblera être un exercice qui ne me plaît pas et au bout d'un moment, je baisserai totalement les bras. Donc de ce point de vue-là, la situation honnêtement me semble extrêmement agaçante, voilà, au-delà de tout ça, agaçante, parce que bah, si on en croit Adrien Rabiot, il n'y aura pas de réponse avant la fin de l'Euro, du moins lui est concentré sur cet Euro, ce qui est normal de ce point de vue-là, mais la réponse, tu dois la donner avant. Et quand il dit j'espérais que mon futur soit connu avant l'Euro, bon, voilà, c'est une situation qui va durer. Dites point dans les commentaires si, selon vous, la Juve doit continuer à attendre cette décision ou si elle doit passer au-delà de tout ça. Je ne vais pas rentrer dans le jeu des non-cas de départ d'Adrien Rabiot parce qu'encore une fois, ça ne sert à rien pour le moment. La réponse n'est pas arrivée. Même discours lorsqu'il dit l'arrivée de Thiago Motta n'influencera pas mon choix. C'est un message clair, hein, envoyé bien évidemment. En tout cas, nul doute que les deux parties se sont parlé. Thiago Motta fait part de son envie de garder Thiago Motta. Après, c'est une décision claire aussi à prendre de la part du joueur, hein. Arrivé à un âge où, bon, ça fait 5 ans qu'il est à la Juve, 5 ans marqués par une très bonne année, 4 où il y a eu certains hauts et bas, mais c'est sûr qu'il y a eu une amélioration, surtout d'un point de vue mental. Là-dessus, on ne peut pas le nier, mais c'est aussi peut-être le moment pour lui de changer d'aventure. Ah, c'est bête de dire ça, c'est... Il ne change pas d'aventure lorsque la Juve n'a pas la Ligue des Champions et il la changerait lorsque la Juve est la Ligue des Champions. Bon, c'est sûr que d'un point de vue cohérence, ça ne serait pas très logique, mais voilà, pour moi, c'est aussi un été où Adrien Rabiot doit prendre sa décision et ce ne serait pas si bête pour lui de quitter la Juve. Changeons de dossier, les amis, venons-en à Douglas Luiz. Pareil, vous êtes nombreux à paniquer, etc. Ce qui peut être compréhensible, attention, hein, je me mets toujours à la place du tifo de Juventus. Pas de panique, calme, je redis les propos que j'ai dit lors de la précédente vidéo. L'opération, là, Douglas Luiz, témoigne de la volonté claire de la part de la Juve, slash Thiago Motta, et la volonté de Cristiano Junto de contenter justement son équipe. Je veux dire, il y a cette volonté de mettre la contrepartie Ligue Junior McKenny. Très vite, un accord est trouvé avec Douglas Luiz. Très vite, un accord est trouvé avec Ligue Junior. Cet accord n'est pas trouvé avec McKenny. Vous tentez pendant plusieurs jours de trouver une solution. Cette solution n'arrive pas. Beaucoup auraient abandonné. La Juve veut trouver une solution pour arriver à Douglas Luiz. Et elle a décidé de mettre Enzo Baranenshi. Alors qu'on partage ou non ce choix, indirectement, je pense que ça aurait été mieux de ne pas mettre Enzo Baranenshi dans ce choix pour tenter soit de le tester lors de cette saison, soit de s'en séparer dans une vente à titre définitif. En attendant, voilà, il n'y avait pas demi-choix. D'autres choix, c'était Mathias Osulé notamment, et la Juve a justement dit non. La situation est celle-ci, mais ça témoigne que la Vecchia Signora a la volonté absolue de conclure ce dossier. Et au-delà de tout ça, elle a surpassé la difficulté Weston McKennie. Maintenant, pour le futur de McKennie, les amis, là aussi, c'est un énorme point d'interrogation. Quand je disais que la Juve avait inséré cette contrepartie qui s'appelle McKennie pour éviter de le perdre à zéro, c'est parce que derrière, McKennie n'a pas accepté la tentative de prolongation de contrat de la Juve, et d'un point de vue salarial notamment. Donc la Juve s'est dit, on ne peut pas courir après Weston McKennie éternellement. C'est-à-dire, il n'accepte pas notre demande salariale, très bien, on ne veut pas le perdre à zéro, on va la serrer dans une contrepartie. Et cette petite guerre qui s'est installée entre les deux parties, les amis, je la trouve extrêmement dommage, parce que je pense que McKennie aurait pu terminer l'aventure d'une meilleure manière évidemment que la Juve. Je ne sais pas ce qui pourra se passer, très certainement. Alors attention, pour McKennie, il peut se passer de tout, hein. L'été dernier, je vous rappelle que McKennie était hors plan de Max Allegri. Au final, McKennie est devenu un titulaire indiscutable. Et à juste titre, parce que ses prestations étaient très convaincantes, et aussi parce que le niveau de la Juve au milieu de terrain était globalement faible, et parce qu'il y avait deux joueurs suspendus. Bon, voilà, la situation est dommage, vraiment dommage. Mais est-ce que la Juve est en train de trouver une solution à Weston McKennie? Oui, je pense très clairement. Parce que dans tous les cas, si McKennie ne prolonge pas, c'est fin de contrat l'année prochaine et bye bye, hein, à zéro. Et la Juve ne peut pas se séparer de McKennie à zéro. On dit souvent Chiesa, etc. Mais pour McKennie, c'est pareil parce qu'il peut apporter une certaine somme d'argent. Toutes vos impressions dans les commentaires, les amis. Vous m'excuserez pour la location. Mais on retrouve les bonnes vieilles habitudes, ne vous inquiétez pas, demain. Et moi, en tout cas, je vous souhaite un très très bon vendredi et un bon début de week-end. Ciao, ciao.